Salut tout le monde, la dernière fois je vous montrais en vidéo tous les dessins que vous m'aviez fait. D'ailleurs vous les voyez actuellement sur mon bureau. Tous ces dessins que j'avais enregistrés dans ce dossier. Alors déjà merci à tous les participants, bah ça fait super plaisir. Merci vraiment à tous pour vos dessins. Ils sont vraiment tous de toute beauté. Et vous pouvez voir que j'ai fait un deuxième dossier juste ici là. Sur la dernière vidéo des dessins, vous avez été plus de 1400 à laisser un pouce bleu. Donc vu que ça vous a beaucoup plu, bah je me suis dit que j'allais en refaire une, ça pourrait être sympa. Alors moi bien sûr tous ces dessins je les ai déjà enregistrés, mais vous, vous ne les avez pas encore vus, donc je vais vous les faire découvrir. Et franchement il y a des beaux dessins, donc vraiment merci à tous de me les avoir envoyés. Mais ça aurait été trop beau si ça s'était passé comme prévu. J'ai enregistré 32 dessins et bannières, et il se trouve par je ne sais quelle sorcellerie ou magie noire, et ben il y en a 12 qui ont disparu en fait. Et je les ai cherchés pendant 3 heures dans tous mes dossiers, j'ai retourné mon PC en long, en large, en travers, et je les retrouve pas. Donc en fait si vous voulez dans mon dossier ça passe du dessin numéro 18 au dessin numéro 30 directement. Il y en a 12 qui sont envolés. Vous avez vu, je fais bien l'oiseau avec mes mains, hein. Des années d'entraînement. Donc bref, bah si toutefois vous voyez pas le dessin que vous m'avez envoyé, eh bien n'hésitez pas à me le renvoyer encore une fois, et je le ferai passer dans la prochaine vidéo. Allez, je vous fais découvrir ça, c'est parti. Eh bien nous commençons tout de suite avec cette bannière ultra stylée de Mektos, et franchement elle est carrément stylée. C'est un cochon avec des ailes qui crache un arc-en-ciel et marqué Jolat dessus. Mektos, je sais pas avec quoi tu te drogues, mais c'est franchement sympa, hein. Ça doit être de la bonne, franchement. Tu vois, il manquerait juste une corne ici, et puis ça pourrait faire une licorne cochon, quoi. Ça pourrait être sympa. Non, franchement, GG, il y a de l'imagination derrière ça. Medwin qui nous propose une belle image avec marqué comment tout oupelle. Alors ça, déjà, j'ai grillé direct. C'est la dernière fois quand j'ai joué avec Ezor sur Twitch sur Arma 3. On avait eu un délire avec le tout oupelle. D'ailleurs, Ezor, si tu vois cette vidéo, dédicace à toi. Et en fait, Medwin, bah, il a repris mon logo, il l'a collé là avec, avec une pelle. GG. Et il y a marqué keep calm and comment tout oupelle. Ok, d'accord. GG Medwin, franchement c'est super bien fait. Alors celui-là il est un peu flouté, c'est dommage, mais franchement il est très bien fait aussi. Il a mis ma petite miniature, essayez de ne pas rire, l'épisode 1. Ah, il l'a bien aimé celle-là. Avec un petit logo scrap mécanique à gauche, avec marqué Jolat avec des flammes, c'est plutôt sympa. Alors pourquoi cette spirale en bas à gauche, je ne sais pas. Mais il faudra demander à TheAnto02. Et bien TheAnto02, GG à toi. Il est franchement très bien fait, merci. Donc alors la prochaine, bah elle est pas signée, mais franchement elle est vachement bien faite. Ah, j'ai trouvé ça ultra stylé, c'est vachement marrant. Avec marqué Jolat, bienvenue sur ma chaîne, créateur de délire depuis 1983. Sauf qu'en 1983 j'étais pas né, mais c'est bien quand même. Et je vois carrément où est-ce que t'as pris la photo. En fait ça c'est pendant que je faisais le con dans un live. Et je m'en souviens, j'étais en train de faire des machins comme ça. Enfin bref. GG à toi, c'est super bien fait. Alors là, cette fois-ci, c'est plus du Photoshop ou quoi. Nous avons un superbe dessin fait maison. J'ai l'air d'avoir à peu près 192 ans sur la photo. C'est vachement bien sympatoche. Avec à côté une tomate qui a l'air à peu près tout aussi ridée que le dessin. Mais c'est franchement sympatoche. Marqué Jolat la tomate dedans. Et je ne sais pas pourquoi, mais tu m'as fait un doigt qui part en couille. Mais c'est fort sympatoche. Alors là, il est signé, mais franchement, j'arrive pas à lire la signature. Je sais pas ce qui est marqué. Même si je l'agrandissais, je sais pas. Non. Franchement, là, je vois pas. Et bah, franchement, GG à toi, il est super bien fait. Et bien, nous avons là une jolie bannière de Spike Rabbi. Donc, Spike Rabbi, déjà, merci à toi d'avoir participé, ça fait plaisir. Et Spike Rabbi, il nous a fait une super bannière, genre scrap mécanique. Il a repris le petit bonhomme de scrap mécanique, il a mis un bandeau Jolat. Avec carrément, bon bah, faut avoir l'œil. Mais il a foutu un petit cochon dedans. Regardez-le, ce cochon, hein. T'as vu, il a le nez rouge, le machin. Il a marqué cochon sur le marteau. Bah, c'est franchement bien fait. C'est franchement bien réalisé. GG à toi, Spike Rabbi. Alors, le prochain est également, franchement, très bien fait. Alors, je ne sais pas si c'est Virtz qui l'a fait. C'est quoi Virtz? C'est ton pseudo? C'est le nom de ta chaîne, non? Ou je sais pas, peut-être que c'est une marque que tu veux promotionner. J'en sais rien du tout. En tout cas, Virtz, bah, je vais t'appeler comme ça. Hein. Et ben, il est super bien fait ton dessin. Je sais pas sur quel logiciel que t'as fait ça. Si c'est avec un logiciel, je pense. Hein. Et franchement, on peut dire que bah, ça me ressemble bien. Hein. Salut mes petits cochons! Eh ben, salut à toi, Virtz. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Alors là, pareil, nous avons une belle bannière. Je ne sais pas qui l'a faite puisqu'elle n'est pas signée. Alors, elle est franchement bien faite, hein, avec le petit abonne-toi, là, en bas à gauche. Alors, il a repris mon logo Twitter et Twitch. Il l'a redesigné un petit peu. Et il a marqué Jolat. Alors, moi, par contre, c'est Jolat. Hein. C'est pas Jolat. Mais c'est pas ça le pire. C'est que il a également fait la faute sur Facebook, Jolat, Twitter, @Jolat, et Twitch, Jolat. Il y a marqué partout Jolat. Alors toi t'as vraiment envie que je change de pseudo en fait, c'est ça? Bon, à mon avis il doit y avoir un message caché derrière ça pour dire que mon pseudo est complètement pourri et qu'il a envie que je change mon pseudo Jolat en Jolat. Oui, effectivement, ça pourrait être bien cool. Jolat la tamate. Ok, d'accord. Et bien franchement il est super bien fait, merci à toi GG. Oh, et nous avons un beau logo avec ça. Donc j'imagine que c'est la même personne qui a fait la bannière, qui a fait le logo. Franchement GG, très bien. Cochon, on va. Ah bah celui-là il est signé, tiens. Regarde donc. Bah il ratafu. Et bah Ratafu, merci à toi d'avoir participé et GG pour ton dessin, il est très bien fait. Un joli petit cochon avec des belles petites oreilles marron, un beau petit nez rose, des yeux là avec marqué Jolat sur le front. Et bah c'est super bien fait, GG à toi. Merci Ratafu, Ratufu,
Ratafu. Et nous continuons avec un joli dessin de Emre.Senel. Donc ma chaîne Appelle-moi Prince. T'aurais même pu rajouter un petit abonne-toi avec une flèche. Là c'est carrément un gros panneau publicitaire ton dessin. Bon, blague à part, franchement il est très bien ton dessin. Avec il a repris ma petite photo de la miniature Jalopy. Elle est un petit peu floutée mais franchement bien. Mon cochon, je t'ai trouvé enfin, continue comme ça, je te kiffe. Eh bien merci Emre.Senel. Ma chaîne Appelle-moi Prince. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et nous continuons avec une jolie bannière by le bâtard. Très joli pseudo, c'est très poétique. Avec une belle petite bannière avec mon logo qui est un petit peu partout là, avec des têtes partout. Et franchement, il est très sympathique hein, avec marqué Jolat là, en gros comme ça. Franchement, j'aime bien. GG. Il a même rajouté les petits Twitter, Facebook, Twitch. Franchement, bien le bâtard. Ah, sacré bâtard. Alors celui-ci est franchement sympatoche. Bon, il est un peu petit par contre. Abonnez-vous, oui, ça fait bien plaisir. Donc il a repris... Ah, je vois bien la petite miniature que t'as repris. Toi, t'as repris la miniature sur ma vidéo VIP que j'avais fait sur Gmod. Donc avec un petit logo Gmod, avec mon logo YouTube, avec marqué en bas Jolat. Et là, marqué je ne sais pas trop. Parce que c'est vachement petit. Et encore, je l'agrandis, hein, parce que sinon, ça fait ça. Donc, eh bien, GG à toi et merci pour ta participation, ça fait plaisir. Et on continue avec un joli dessin de Monsieur Patty, signé en bas à droite, juste ici. Et franchement, il est bien cool, avec mon petit logo YouTube, marqué YouTube en bas. Il a carrément repris la SNCO. Alors toi, t'as pas fait les choses à moitié, hein. Mais sauf que la mienne, elle est pas aussi high-tech que ça, tu vois. Parce que là, je vois, elle est toute chromée, là, avec un petit écran de tableau de bord. Limite, on dirait un GPS, le machin. Non, franchement, bien, GG. Avec des petits smileys, avec des cœurs et tout. Mais ils ont l'air si tristes, franchement. Pourquoi c'est tout tristouné, tout ça? Non, franchement, GG à toi, Monsieur Patty. Il est très bien fait, ce dessin, GG. Merci pour ta participation. Alors là, nous avons Tyrone, qui était déjà passé dans la vidéo précédente, mais qui m'a refait un dessin. Tyrone, je ne sais pas c'est quoi ton délire, mais je suis déguisé en Dragon Ball Z, là. Je suis en train de faire une fusion avec un cochon. J'ai la ceinture bleue à Sangoku, avec les petites montagnes et tout derrière. Franchement, il est super bien fait. Moi, j'aime bien Tyrone, GG. Tyrone Karem, 12 ans. Et bah, franchement, bien. Bon, d'accord, on a très bien vu que c'était la fusion entre moi et un cochon. Ça donne un jolon. D'accord. Très bien, Tyrone. Merci à toi pour ta participation. Ah, bah encore un dessin de Tyrone qui m'a fait carrément... Il m'a dessiné avec une casquette de cochon marqué Jolat dessus et un petit cochon en haut à droite. Franchement, il est carrément bien fait. Tuck Jolat. Ok, d'accord. Signé ici, donc Tyrone Karem. Et franchement, il est bien fait. GG à toi, Tyrone. Et encore merci pour ta participation. Alors, nous passons à la suite avec un joli dessin réalisé avec un logiciel, sûrement Photoshop ou je ne sais pas. C'est fait à partir d'une tablette graphique. Et franchement, il est super bluffant le dessin, il est vachement bien fait, donc il a carrément été repris d'une photo que j'avais mise sur Facebook. D'ailleurs, je vous mettrai le dessin d'un côté et la photo de l'autre, et franchement c'est super réussi, c'est un truc de malade. Donc celui-ci, c'est Maxence qui me l'a fait. Donc Maxence, un gros GG à toi, et franchement c'est de toute beauté. D'ailleurs, quand il m'a envoyé le dessin, j'ai presque cru que c'était ma photo. Je l'avais vu en version miniature, je me suis dit, bah d'ailleurs c'est ma photo qui m'a envoyé. Et bah non, dès que je l'ai ouvert, mon vieux, c'était un dessin. Et franchement, bah on peut dire que tu t'es pas raté là. D'ailleurs, celui-ci, je l'avais trouvé tellement bien fait que j'avais pour idée de le mettre en bannière YouTube. Mais je ne sais pas les remettre en format bannière, les dessins, sans les écraser, vous voyez. Donc là, je fais appel à vous, génie du Photoshop ou autre logiciel. Je vous mettrai un lien vers le dessin en commentaire en bas. Et si quelqu'un est capable de me le mettre en format bannière sans écraser le dessin, ce serait franchement super sympa. Et je vous remercie déjà d'avance à celui qui le fera. Non, franchement, il est super bien fait. Il y a même mes boîtes de Marlboro derrière. Ce délire. Alors là, nous avons carrément un joli montage photo de The TV Game Show. Alors, je vois à peu près pourquoi il a fait ça. Ça, c'est sur ma dernière vidéo Scrap Mécanique quand j'avais fait la Ghostbuster Mobile. Et franchement, bah, c'est carrément bien fait. Il s'est pas loupé, hein. Il y a carrément ma tête ici avec les deux gars de Ghostbuster, quoi. Franchement, ça le fait trop. GG à toi. Et nous continuons avec une jolie bannière avec mon logo Twitter qui a été repris juste ici. Avec marqué Jolat la tomate avec un petit cœur barré. Avec un petit point juste ici. Avec deux petites étoiles de chaque côté. Alors, celui-là, il est pas signé, mais c'est Saofré qui me l'a fait. Il était tellement de toute beauté que j'ai retenu son pseudo. D'ailleurs, Saofré, il m'avait fait deux dessins, mais il y en a un qui s'est envolé avec les 12 autres, je ne sais où. Et nous arrivons donc au dernier dessin, ou plutôt à la dernière bannière. Donc celle-ci, elle n'est pas signée, mais ça n'empêche pas qu'elle est super bien faite. Donc là, nous avons un petit bonhomme Garry's Mod. Nous avons moi en tout petit. Putain, je suis tout petit carrément. Avec marqué Scrap Mécanique à côté, Jolat, Jeu Fun et YouTuber Fun, Dying Light, The Following, un let's play que j'ai jamais fini, au passage. Et un bon gros logo Gmod à droite. Franchement, il est super bien fait. GG à toi et merci pour ta participation. Donc voilà, là, on se retrouve dans le dossier. Donc comme vous voyez, j'ai passé tous les dessins en revue. Mais comme je vous disais, il y en a 12 qui se sont volatilisés. Donc c'est-à-dire que vous voyez que là, ça passe du numéro 18 au numéro 30 d'un coup.
Voilà, entre le 18 et le 30, et ben il y a un gros trou. Et je ne sais absolument pas où est-ce qu'ils sont passés. J'ai pourtant tout retourné, je vous assure que j'ai retourné tous les dossiers en long, en large, en travers. Et impossible de les retrouver. Donc si toutefois vous m'avez envoyé votre dessin mais qu'il n'est pas passé, bah n'hésitez pas à me le renvoyer. Et il repassera dans une prochaine vidéo. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci à tous pour tous les dessins que vous m'envoyez, les logos, les bannières, les photomontages, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos créations via Twitter ou Facebook, même via YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.